Le filetage consiste à creuser une rainure hélicoïdale à l'extérieur d'une pièce cylindrique pour usiner des vis et boulons, par exemple. La distance entre chacun des filets se nomme le pas. Une pièce peut posséder un gros pas ou un pas fin, tant pour les filets métriques que les filets en pouces. Le filetage à la filière est réalisé à l'aide d'une filière insérée dans un porte-filière. Le petit format de la filière limite le filetage à des pièces de petit diamètre. Voici une filière expansible à vis de pression qui figure parmi les nombreux modèles offerts. Voici l'exemple du filetage à la filière d'une vis d'un diamètre nominal de 12 mm avec un gros pas de 1,75 mm et d'une longueur de 25 mm. Tournez d'abord la pièce jusqu'à ce qu'elle atteigne le diamètre voulu, soit 12 mm, moins environ 15 centièmes de millimètre, pour permettre l'assemblage vis-écrou. Vérifiez la justesse du diamètre obtenu. Calculez la dimension approximative du chanfrein en multipliant le pas par 0,7. Dans ce cas-ci, le pas est de 1,75 mm. Le calcul donne 1,23, ce qui signifie que le chanfrein requis est d'environ 1,23 mm. Réalisez ce chanfrein. Il doit être assez gros pour se rendre au moins au diamètre du fond du filet. Ajustez la filière au diamètre de la vis, 12 mm dans ce cas-ci. Si vous prévoyez effectuer une deuxième passe de finition, laissez un jeu entre la vis et la filière. Insérez la filière dans le porte-filière en vous assurant que son entrée est bien positionnée, côté chanfreiné sur le dessus. Enlevez la pointe de la poupée mobile pour libérer le canon. Enlevez les outils afin d'éviter des blessures. Amenez le canon contre le porte-filière. Bloquez la poupée mobile. Mettez de l'huile de coupe. Placez le tour en position neutre. Il est ensuite possible de fileter de deux façons. Vous pouvez tourner manuellement le mandrin en avançant le canon de la poupée mobile. Autrement, vous pouvez utiliser le tour à vitesse minimale. Dans les deux cas, veillez à ce que les poignées du porte-filière ne butent pas sur un obstacle. Pour tenir, ébavurez l'extrémité du filetage à l'aide d'une lime, ainsi que le chanfrein si nécessaire.